Débadi, se retrouve pour aller faire du bigger bag. On est à Livigno, in Italia. Et là, c'est parti pour un deuxième entraînement. Il y a un saut, deux sauts, trois sauts, et il y a l'airbag à côté du premier saut, comme ça on peut s'entraîner dessus. Ça y est, là un plein entraînement, pas de chance, il fait un peu mauvais de ce côté-là, forcément c'est là où il y a le parc. Le seul truc qui est un peu chiant, c'est aussi c'est un peu le vent. Il est dos, d'habitude ici il est dos mais il est constant et du coup bah tu t'entraînes avec et genre ça passe nickel quoi. C'est pas le meilleur jour d'entraînement, mais c'est toujours ça à prendre. Ça fait du bien aussi d'enchaîner trois sauts parce que là on s'entraînait que sur un saut à chaque fois parce que bah on n'avait pas la possibilité sur trois. On verra, j'espère que demain ça sera quand même mieux. Et que le bag sera ouvert parce qu'en fait aujourd'hui moi j'étais censée, genre mon objectif c'était d'aller sur le bag pour faire des tricks et tout, que j'ai besoin de remettre sur la neige et pour la tête ça fait du bien de le mettre avant sur le bag et tout, et du coup bah là un peu compliqué parce que le bag il est fermé aujourd'hui, du coup un peu deg. Voilà sur scène. Ouais. Bon, j'ai mis la bulle parce que comme il fait un petit peu froid en fait, comme ça le soleil tape et ça c'est cool, on garde un peu la chaleur. C'est perfect day, pour l'instant il n'y a pas grand monde, il y a une mini couche de neige qui est venue se poser hier. J'espère qu'il va pas faire genre trop froid parce qu'en fait hier à la fin de journée on a fait de l'airbag et tout, et en fait ils nous mettent de la neige sur l'airbag, sauf que comme il faisait un peu chaud, du coup la neige bah, forcément c'était de l'eau, et du coup on a sauté mais genre dans une piscine. À un moment j'étais carrément presque un plongeon, genre je me suis un peu cassé la gueule. Et quand tu plaques, en fait, c'est quand t'atterris, tu mets les mains ici pour pas qu'il y ait un bras ou une jambe qui parte en couille et du coup ça fasse mal. Et quand on atterrit tout en bas, bah, vous verrez avec les images, genre du coup à chaque fois tu fais un peu secoué. Et une fois je me suis retrouvée à me retourner sur le truc et j'ai pris du coup la fin en arrivant genre comme un toboggan sur le ventre et j'ai pris toute l'eau dans la gueule. Mais oui, bébé! C'est le troisième jour de ski maintenant. On sent la fatigue. On va aller dormir. Voilà notre thé. J'ai déjà essayé, je sais que je me fais une petite fille. C'est sympa la technique pour rentrer dans la chambre. C'est la guerre des klaxons. Allez, Matou! Les gars, on est dans un resto. On a un petit resto. Un resto? Ça tombe beaucoup, genre. Resto, ça fait tellement longtemps. Covid, resto. Du coup,
comme on a froid, c'est genre un peu l'heure de l'apéro, tout le monde est en spritz et tout, ou en bière, et nous ça va être chocolat chaud. Parce qu'on va pouvoir. On voulait une tarte de salade, mais il n'y en a pas, du coup on est dead. Du coup on a pris des petits toasts. Ça a un toast jambon et tout avec un chocolat chaud. L'accord, il est parfait. C'est bon les boss. Where are you? C'est horrible, ça fait trop mal. Il est putain d'épais, il va se méga loin. Elle fait une, et après elle fait, allez on y retourne. C'est la merde. On a fait le test Covid dans le groupe, vous avez vu qu'il y en avait deux qui étaient testés positifs. Donc ils ont refait le test. Ils sont encore positifs, donc là c'est vraiment la merde parce que nous on est considérés comme cas contact alors qu'on est négatif. On sait pas comment ça se passe pour la compète, si on, vu qu'on est en Italie, si on va pouvoir rentrer d'Italie, si on va pouvoir aller en Suisse. Demain ils repartent normalement à un hôpital pour faire d'autres tests un peu plus poussés, style leur prise de sang ou quoi. Donc on espère que ça sera négatif d'ici là. On va se refaire tester parce que nous ça, on est peut-être en période d'incubation ou quoi. En espérant que... On est censé être en compète, hein. Je croise les dents parce que j'ai vraiment envie d'avoir le Covid. Là, il y a une compète, ça m'aurait fait du bien de la faire et tout. Et ouais, ça fait chier. Alors qu'ils n'ont aucun symptôme, ils sont nickel. Et là, c'est le coach en plus, donc c'est pire que deux athlètes, quoi. Ça y est, et bah du coup, on rentre en France. Les résultats ont donné que... Bah, toujours deux positifs et le reste négatif. On n'a pas le droit d'aller courir vu que nous on est qu'à contact. Donc là on a l'opportunité genre de rentrer en France. On fait les tests PCR en France et on attend nos résultats et tout. Là on fait tout pour rentrer en France, passer la frontière. Et on verra par la suite les tests PCR, ce qu'il en dit et si on doit se confiner ou pas. Un changement de programme de dernière minute. Pas forcément la fin que j'espérais parce que j'aurais bien voulu faire la compète derrière la Coupe d'Europe. Mais bon, pas de Coupe d'Europe, c'est pas possible et ça sera la prochaine fois. Et du coup voilà, en tout cas mon truc il est pas encore parti. Hein. Et voilà, bon bah je vous fais de gros bisous et à samedi prochain. Salut.